Pourquoi existe-t-il des prophéties? C'est le sujet qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. On parle de prophétie aujourd'hui. Ça, j'aime ça. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Tu vas nous parler des prophéties. Dieu nous ramène à lui par les prophéties, il paraît. C'est un des thèmes qu'on va utiliser. Pourquoi les prophéties? Dieu fait un appel. Dieu invite son peuple à se rapprocher de lui. On le voit maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, des appels de se détourner du mal, des mauvais choix qu'ils ont faits, puis revenez à l'Éternel, revenez à l'Éternel. Quelle belle invitation, quelle grâce, quelle miséricorde de la part de ce grand Dieu qui invite son peuple à un retour vers lui. Et certainement, dans les temps où nous sommes, où nous voyons les signes, nous voyons naturellement les pièces des choses à venir, ceux qui sont avisés, ceux qui sont avertis, qui ont la connaissance de la Bible, on voit que les éléments sont là. Et ça devrait être pour nous un appel de nous rapprocher de Dieu, d'être plus près de Dieu. Là là. Je pense qu'on va s'approcher de Dieu aujourd'hui en s'approchant de sa parole, en t'écoutant. Avec, entre autres, deux chapitres, les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu. Et il va y avoir d'autres textes, mais entre autres, deux chapitres, l'enseignement du Maître afin d'aviser ses disciples, d'aviser ceux qui le suivent dans cet enseignement, de nous rapprocher, de se rapprocher de lui. On y va ensemble? Certainement. Alors donc, je me lève de ce pas et je vais me rendre, il va sans dire, à mon bureau, mais en faisant une petite pause ici pour vous inviter à prendre vous aussi la Bible. Et si vous n'avez pas la Bible, au moins le Nouveau Testament, ou prendre des notes tout simplement et de vérifier comme ça à un autre moment de la journée ou de la semaine, ces notes qui seront divulguées dans les prochaines minutes. Alors, venez avec moi au pupitre, et comme ça, on va sortir cet enseignement concernant les prophéties. Entre autres, Matthieu 24. Alors, vous connaissez l'endroit, l'Évangile selon Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, chapitres 24 et 25. Pour nous situer, bien, nous sommes sur le mont des Oliviers. Les disciples sont en train de regarder Jérusalem avec le temple, l'or et puis l'argent et le reflet du soleil qui brille sur ce bâtiment et qui dit à Jésus, « Regarde-moi tout ce chef-d'œuvre. » C'était tout un phénomène à voir, hein, de contempler sur l'heure du midi avec les reflets du rayon du soleil. Et Jésus leur a dit, « Un jour, il n'existera plus pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et quand est-ce que ces choses-là arriveront? Et c'est là que nous avons cet enseignement rapporté par l'évangéliste Matthieu, Marc aussi, et l'évangile selon Luc en rajoute également d'autres extraits. Matthieu chapitre 24, alors on a ce verset au début, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors, il était verset 3 assis sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Des questions qu'on aimerait peut-être lui poser nous aussi. Alors donc, des questions peut-être qui surgissent à votre esprit présentement, de savoir que le monde dans lequel nous sommes, un jour sera complètement détruit. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Non seulement Jérusalem, on sait que sous Titus, l'empereur Titus, que d'empereurs, naturellement, ont saccagé, ont ravagé comme ça Jérusalem, empereur après empereur. C'était la même chose pour les chrétiens de cette période-là. Les premiers chrétiens devaient être réfugiés parce qu'ils étaient persécutés par les empereurs pendant au moins 10 empereurs de la sortie. Vous relisez l'histoire, vous allez voir 10 empereurs jusqu'au règne de Constantin. Cet empereur, en 314-315, a déclaré officiel maintenant la religion ou le christianisme devienne une religion de l'État. Et là, bien, vous connaissez le reste. Alors, la politique et la religion n'en a fait plus qu'un. Et puis ici et là, il a sorti après ça des réveils, des temps de réveil, des temps de réforme. Et on a aujourd'hui ce retour aux sources
à la parole de Dieu, à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est bon de savoir qu'à travers toute cette période-là de l'histoire de l'humanité, Jésus, Dieu a préservé ses écrits, il a préservé ce livre, et aujourd'hui nous pouvons l'avoir entre nos mains. Comment réagir donc? Vous lirez Isaïe 60, verset 22. Prenez-le en note, on ne prendra pas le temps de lire tous ces textes, mais Isaïe 60, allez voir, le Seigneur dit qu'il va rétablir Jérusalem, il va rétablir sa nation, il va rétablir ce lieu saint, il va venir habiter lui-même, puis il dit que les événements vont se précipiter. Alors, comment réagir, nous? Vous êtes croyants? Vous êtes chrétiens? Comment réagir? On va faire ressortir quelques textes, si vous voulez, de Matthieu chapitre 24, pour y lire également dans Marc chapitre 13, pour y lire également dans Luc chapitre 21. Nous allons retrouver, on va s'en dire, ce même contexte avec d'autres détails que ces évangélistes ont rapportés concernant les prophéties. Le pourquoi des prophéties, c'est ce que nous voulons rechercher ce matin et aujourd'hui, tout au long de la journée et de la semaine, quand vous écouterez cette émission également. Donc, un déboulement, une précipitation dans les événements, ce qui va faire les manchettes prochainement. Vous allez écouter les bulletins de nouvelles et vous allez voir qu'il y a un lien direct avec ce que vous allez découvrir dans Matthieu 24 et 25. Un premier, c'est le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il viendra plusieurs faux prophètes, faux docteurs, faux enseignants. » Alors donc, on est prévenu de veiller et de garder cette doctrine, saine doctrine, comme elle est appelée dans les Saintes Écritures, dans la Bible, de la préserver. Mais pour cela, il faut que je la connaisse. Et pour la connaître, il faut que je la lise, il faut que je la médite, il faut que je prenne du temps avec le Maître, connaître son enseignement. Et cet enseignement va nous libérer. C'est ce que nous dit, cette vérité va nous affranchir. Donc, cette parole de Dieu puissante de l'Évangile, elle peut venir bouleverser des vies, des existences, mais surtout venir nous protéger contre l'erreur, contre les faux enseignements. Alors, prenez garde. Ma conduite dans ce temps, dans le temps où nous sommes, devrait être en tant que chrétien un attachement aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. De plus en plus, sachant que, oui, il va y avoir de la vague, de la houle, oui, naturellement, le naufrage est auprès de nous, mais si nous sommes bien ancrés dans la vérité, rien ne pourra nous ébranler. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Alors, attachons-nous, attachez-vous à la vérité, à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde, c'est un des premiers avertissements de comportement du chrétien dans les temps où nous sommes, les temps de tempête. Également le verset 15. Le verset 15 nous dit quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Soyez prudents. Alors ça, c'est la réalisation du prophète Daniel, les 70 semaines. Là, vous pourrez lire dans Luc chapitre 21, verset 26, et également dans Marc 13, les versets 19, où nous voyons l'apparition de cet impie, de cet homme d'iniquité, l'Antichrist, qui va se soulever parmi les nations, un homme qui va devenir un dictateur, qui sera animé par les puissances démoniaques, les puissances de Satan, du diable, du serpent, du vieux serpent du Jardin d'Éden, qui a séduit l'humanité, qui a séduit Adam et Ève, et qui va séduire maintenant toutes les nations. Alors, la parole de Dieu nous dit « Attention, attention, ces choses-là se préparent, se planifient, ils sont en train de voir, même, je crois que nous sommes en train de voir les premières petites pousses. Il va s'en dire la manifestation de cet épis, de cet homme injuste, de cette iniquité. Regardez autour de vous, c'est ça, prêtez attention, écoutez bien ce qui se passe. Le Seigneur dit « Vous êtes vigilants, vous êtes maintenant avisés, avertis. » Un chrétien, c'est une personne qui devrait veiller et de voir naturellement ces choses se manifester. Le verset 25, que nous dit le verset 25 de Matthieu 24? Un autre comportement pour le chrétien dans les temps où nous sommes. Le verset 25, il dit, « Je vous l'ai annoncé d'avance. » Alors donc, si on vous dit, « Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. » Alors, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ici sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et on parle de la bataille d'Armageddon. Donc, on va voir également dans la prochaine émission, si vous voulez bien. Donc, mais le Seigneur dit, vous êtes des gens qui, vous savez ce qui va arriver. Vous savez, c'est comme si on vous annonce une récession. C'est comme si on vous annonçait que dans ici les prochaines minutes, une catastrophe. Que faisons-nous? Comment réagissons-nous? Soyons prudents. Le Seigneur dit, soyez prudents. Je vous ai annoncé les choses à venir afin que vous puissiez être prudents dans ces temps difficiles. Des gens avisés. Le verset 32, que nous dit Matthieu 24? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier.
Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Le Seigneur, il dit, vous savez lire les signes de la nature? Vous voyez bien, hein? Quand il y a un automne, un hiver, un printemps, puis un été. Vous les voyez, ces signes-là, lorsque le beau temps arrive, lorsque la pluie va tomber. Vous pouvez lire ces signes-là? Bien, que vous puissiez lire les signes maintenant concernant les temps dans lesquels nous sommes. Regardez, écoutez, et vous allez voir les signes, naturellement, qui nous parlent, ils devraient nous parler fortement. Un autre verset maintenant, c'est le verset 42. Le verset 42 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, il y a toujours cette espérance du chrétien à travers le tumulte, à travers le brouhaha, à travers les grands changements, que ce soit atmosphérique ou autre, parce qu'il va y avoir des changements atmosphériques, climatiques, mais aussi des grands changements dans le comportement humain. Les gens vont abandonner la foi, plusieurs vont se refroidir concernant leur amour. Il y a des signes comme ça qu'on devrait voir ou être au courant, mais il dit, regardez, le Seigneur est proche. Plus que vous allez voir ces choses-là, dites-vous bien que le Seigneur sera proche de vous. Et ça devrait être un réconfort, une consolation. Ça devrait naturellement nous encourager de savoir que le Seigneur avait prédit ces choses, les avait annoncées, il nous les a partagées, il a voulu les partager avec nous afin que nous puissions être prêts lors de son retour. Donc le retour est imminent, il est proche. Et vous savez, lorsqu'on attend quelqu'un, vous avez peut-être déjà reçu un coup de fil disant « on s'en vient à la maison, on se prépare ». Alors oui, peut-être on a un peu de ménage à faire à la maison, on va recevoir nos invités, mais on a un cœur réceptif, on dit, on a hâte de les voir, peut-être c'est vos enfants, des gens de votre entourage que vous n'avez pas vu fort longtemps. Bien, imaginez, se préparer à accueillir Jésus-Christ, oui, déjà dans notre cœur en tant que croyant, mais maintenant de le voir face à face, de nos yeux, de l'accueillir tel qu'il est, tel qu'il voudra bien se révéler, se manifester. Et c'est la même chose au verset 45. Il dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » De se préparer, donc, en étant des serviteurs. Alors, vous savez, c'est pas parce que, bon, c'est la fin de toutes choses, que toutes ces choses-là vont se détruire dans lesquelles où nous sommes présentement. Peut-être vous avez placé tout votre cœur dans ces biens qui, malheureusement, vont disparaître un jour comme de la poussière. Tout cela est appelé à être détruit. Alors, plaçons les choses, donc, notre cœur dans les choses sûres, des valeurs sûres. Et il dit, les choses passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Et le serviteur, c'est pas celui qui attend le Seigneur les bras croisés, puis, bon, il a promis qu'il reviendrait, puis, non! C'est celui qui s'occupe, c'est celui qui est en service. Le serviteur, c'est ça, c'est celui qui obéit au maître jusqu'à son retour. Il est fidèle, humble serviteur. Il accomplit encore les tâches fidèlement. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas ses responsabilités. Au contraire, il s'affermit, il accomplit davantage, sachant que les choses sont vraies. Alors, il va redoubler d'ardeur pour accomplir ses tâches fidèlement, sachant que le maître n'est pas loin, parce qu'il va revenir avec ses rétributions, avec ce qui est dû à chacun de ses serviteurs. Alors, fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, le verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » On aura le plaisir de partager la joie du maître. Cette joie, lorsque le Seigneur reviendra, je n'aurai pas la honte, je ne rougirai pas, mais plutôt heureux de savoir que mon maître, auquel je lui ai fait confiance et qu'il m'a confié des responsabilités, j'ai pu les accomplir par sa puissance, par son aide, par sa présence, l'Esprit-Saint. C'est votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est votre façon, votre mentalité en tant que chrétien dans ce monde dans lequel nous sommes? J'espère que oui. Sinon, ces versets vont vous encourager à trouver la bonne attitude à avoir en attendant le retour de gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a notre ami Robert Goulet qui va nous chanter, il nous accompagne dans cette émission, et puis il va nous interpréter, naturellement, que tout est merveilleux, et surtout la personne de Jésus-Christ. J'espère que vous allez vous émerveiller, non seulement devant les prophéties, peut-être une guise de curiosité, on aimerait en savoir plus, mais la personne de Jésus qui est prête à se manifester. Tu es merveilleux, Robert Goulet. Oh,
Merci à Robert Goulet de nous parler, de mettre l'emphase sur la personne de Jésus, cet être si merveilleux. Donc, étant un être merveilleux, ce qu'il accomplit, c'est aussi merveilleux, son œuvre également. On devrait s'émerveiller, on devrait contempler. Et c'est ce qu'il va faire un jour. Il va délivrer entièrement l'être humain de toute force venant de l'ennemi, l'ennemi juré de Dieu, l'ennemi juré des chrétiens. Un jour, le mal sera éliminé complètement. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Satan lui-même et tous ceux qui l'auront suivi seront jetés dans les temps de feu ardent. Et lorsqu'il reviendra, ce sera pour venir chercher les siens. Premièrement, l'Église qui sera enlevée et qui vivra éternellement avec lui dans la félicité, dans un bonheur éternel. Mais lorsqu'il reviendra également pour établir son royaume, est-ce qu'il va y trouver de la foi? Est-ce que des gens vont être vigilants? Et c'est Matthieu 25 qui nous parle de cette parabole que vous connaissez fort bien, ceux du moins qui lisent la parole de Dieu, les 10 vierges. 5 ont été trouvées fidèles, qui ont pu rentrer, et les 5 autres sont demeurées à l'extérieur. Vous savez, ce n'est pas suffisant d'avoir une profession juste extérieure, juste du bout des lèvres. Le Seigneur, il sait très bien à qui nous appartenons. C'est ce qu'il va dire même à ces gens qui ont dit, « On a fait ceci, on a fait cela en ton nom. » Il dit, « Je ne vous connais pas. » Parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père, c'est premièrement reconnaître qui est la personne de Jésus-Christ. C'est ce don d'amour que le Père a bien voulu nous laisser à chacun d'entre nous. L'avez-vous reçu, accueilli comme sauveur personnel? Et ici, ces 10 vierges, lorsqu'il viendra établir son royaume, on sait que parmi les Juifs, entre autres, tous ne seront pas prêts à l'accueillir en tant que roi, en tant que Seigneur. Il y aura encore division parmi Israël, parmi le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, j'espère que tous les véritables croyants sont prêts à s'unir et en faire plus qu'un, comme les premiers disciples du livre des Actes, malgré la persécution, malgré lui, malgré, il va sans dire, tout ce qui pouvait subvenir de la part de l'ennemi. Rien ne pourra enlever ce que Dieu a semé dans notre cœur, c'est-à-dire cette assurance d'être son enfant, de lui appartenir pour l'éternité et de pouvoir être un avec lui. Vous savez, les premiers croyants, malgré les persécutions des empereurs, ils ne formaient qu'une seule âme, un seul cœur, une seule et même pensée, cette unité dans la personne de Christ. Et c'est ce qui devrait caractériser les véritables chrétiens dans le moment où nous sommes, dans le milieu dans lequel nous sommes, dans notre période ici de l'accomplissement des prophéties. Oh, que le Seigneur puisse nous aider à être ce qu'il veut que nous soyons en tant que témoins et l'impact que voudrions que l'on ait sur ce monde perdu, déchu. Peut-être que vous réalisez aujourd'hui l'avantage de vous unir avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Si tu n'as pas de famille spirituelle, de trouver cette église locale. Et si tu n'as pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur, de le faire maintenant, parce que le Seigneur te donne cette opportunité de l'accueillir en tant que sauveur et maître de ta vie. Tu peux le faire car il t'accorde cette grâce aujourd'hui même. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a mentionné aujourd'hui qu'il y a des gens qui seraient envoyés dans l'étang de feu ardent. Et le Seigneur ne veut pas qu'on aille là. C'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, pour nous sauver. Alors, tu veux le connaître, ce Fils Jésus-Christ? Eh bien, va dans un merveilleux déjeuner de l'espoir. Tu vas entendre le témoignage d'une personne qui a été rachetée par le précieux sang de Jésus. Tu vas savoir comment éviter les flammes éternelles. Alors, regarde les coordonnées et tu peux te rendre dans un endroit dans ta région. Vas-y, je t'encourage à le faire. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Si tu es vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui a une grande importance dans ma vie. C'est mon pasteur, c'est mon mentor, c'est le pasteur de l'Église évangélique baptiste de la Haute-Yamaska, Richard Hull. Bonjour Richard. Bonjour Caro. C'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui et de pouvoir entendre ce que le Seigneur a fait pour toi. On aimerait que tu nous racontes comment il s'est fait connaître à toi. Bien, ça me fait plaisir. Ça a commencé, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis... Ma famille a été comme influencée par l'Évangile. Puis, mon père m'avait invité à venir à l'église, mais j'avais bien peur. Et ma soeur était venue me voir, elle m'a dit « Non, non, Richard, vas-y pas. » Tu étais mise en garde. Oui. Alors, j'avais 12 ans à l'époque, donc je me souviens même, j'étais couché en dessous de mon lit. J'avais tellement peur. Mais plus tard, rendu vers 17 ans, moi, j'étais sportif, natation, basketball, tennis, handball, et beaucoup de sports. Et Dieu, ça ne m'intéressait pas. À un moment donné, mon frère, vie changée. Ah. Il accepte l'Évangile. Vraiment transformé. Et d'une manière vraiment radicale. Tu étais rendu à quel âge, à peu près? J'avais 17 ans. Okay. Puis, mon beau-frère aussi. Ma soeur, qui m'avait dit à 12 ans de ne pas y aller, elle aussi se convertit. Hey, ça me travaillait. Et ce qui est pire, c'est que mon beau-frère est venu, puis il m'a dit « Richard, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. » Et son frère venait de se suicider la semaine d'avant. Oh là là! Peux-tu t'imaginer, Caro? Oui. Et lui, il me parle que Jésus-Christ fait une différence dans sa vie. Oh, ça m'a vraiment touché. Là, ça a de l'impact. Oui. Donc, ça venait de travailler profondément. Je me disais « Qui peut transformer des gens comme ça? » Aussi radicalement, avec des situations aussi difficiles. Alors, je suis arrivé un après-midi, puis je revenais d'une pratique de natation. Un samedi après-midi, puis je vois la Bible de mon frère sur son bureau. Je dis, tiens, peut-être si je la lisais, je ne l'ai jamais lue. Et là, je tourne la page d'Évangile de Matthieu. Je commence à la première page jusqu'à la dernière page de l'Évangile de Matthieu. Oh là là. J'étais littéralement sidéré, surpris des paroles de Jésus. Ça me touchait énormément. Je me disais, waouh, il dit vrai, lui. J'étais touché dans mon cœur. Je n'avais jamais lu la Bible. Je dis, ce qu'il dit, là, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et là, au fur et à mesure qu'il avançait, les gens s'opposaient à son ministère. Là, je me disais, hey, ça a-tu de l'allure s'opposer à ce qu'il disait? Et là, c'est arrivé tellement intense que quand ça s'approchait de la crucifixion, une pensée m'est venue. Moi, si j'avais été là, je l'aurais défendu. Alors, cette idée-là me passait par la tête. Et là, il m'est venu une autre question. Pendant que je lisais l'Évangile de Matthieu, ça me disait, Richard, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Et là, à l'instant, quand je me suis posé cette question-là, Dieu m'a convaincu que c'était moi qui l'avais crucifié sur la croix. C'était mes péchés. C'était pour moi, c'était pas les Romains. C'était pas les Juifs qui étaient devant la croix et disaient, hey, c'est le Fils de Dieu, descend de la croix. Ça, je voulais le protéger. Là, Dieu m'a montré que c'était mes péchés. Et là, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ cet après-midi-là comme mon sauveur. Je suis monté en haut, j'ai dit, maman, j'ai dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis sorti en dehors du salon, je regardais dehors. Hey, il y a un bel arbre ici. Je faisais 15 ans, je demeurais au même endroit, je ne l'avais jamais vu. Dieu m'avait transformé, gars. Tu avais convaincu lui-même que tu étais un pécheur perdu, oui. Qui avait besoin de Jésus-Christ. Ah oui. Et ça a changé complètement ma vie. J'avais une soif de lire la lecture, de la parole. J'avais une soif de me réunir avec les chrétiens. Ça venait tout seul. Et Jésus, dans sa grâce, a transformé ma vie. Et je le remercie. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Ça nous donne la soif, nous, de continuer. La soif de Dieu, c'est extraordinaire. Et comment on a besoin de Jésus-Christ? Richard en avait besoin. Il est devenu un enfant de Dieu. Et on vous encourage, vous aussi, chers auditeurs, à prendre position pour Jésus-Christ, le laisser toucher vos cœurs, comme il a touché celui de Richard. Aujourd'hui, au cours du message, Régent a dit « Attachez-vous à la vérité ». Et ça me porte à vous dire « À
attachez vos ceintures. Parce que hein, dans Éphésiens, les gens, il est écrit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et puis tu nous as enseigné la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui. Elle est là pour que nous puissions être des gens avisés, des gens prêts pour le retour, pour la prochaine étape que le Seigneur réserve pour cette humanité, mais surtout pour les siens, pour ceux qui auront cru en lui. Oui. Donc, êtes-vous prêts? Êtes-vous vigilants? Est-ce que vous êtes des chrétiens vigilants selon la parole de Dieu, selon la vérité? La vérité. La ceinture, comme tu dis, et qui est là, qui maintenant nous soutient et soutient tout cela afin de pouvoir être dirigés selon cette parole de Dieu. Alors, attachons nos ceintures. Et pour, naturellement, il faut la connaître, cette parole de Dieu. Et pour la connaître, rien tel que de faire la demande de l'offre que nous avons pour vous. L'Évangile de Jean, vous allez retrouver ces belles vérités concernant l'enseignement du Seigneur Jésus, le Maître. Oui. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, le problème de l'humanité, comment le résoudre. La solution est dans ce petit tract. Les questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, donc, avec réponse biblique, et un Nouveau Testament. On vous l'offre gratuitement. Vous allez retrouver Matthieu 24, 25, Marc, Luc. Alors, les évangélistes, les lettres de l'apôtre Paul et l'Apocalypse, il va sans dire, on s'y réfère depuis quelques semaines. Alors, donc, les prophéties sont là, à l'exception de l'Ancien Testament. Mais un jour, peut-être, mais commencez par lire le Nouveau, ce qui nous concerne dans les temps où nous sommes présentement. Vous préparez à cela. Alors, demandez ce livre qui est offert tout à fait gratuitement. Oui, alors téléphonez-nous à 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. C'est déjà terminé, Réjean. Merci pour ce bon enseignement et on a hâte de vous retrouver avec nous à l'émission La Parole Vivante.